c'est parti. Gazélec, Ajaccio, Le Puy, 6e journée de championnat. C'est sur FFF TV. Ça a déjà démarré rapidement avec Fleury dans la surface qui frappe déjà le premier arrêt. Le premier arrêt d'Arnaud Baligeon, le portier gazier, tout de suite mis à contribution. Andiani la frappe. Et les gaziers vont peut-être jouer cette contre-attaque. Le centre vers Kylian Lebon. But contre son camp, ouverture du score ici à Metzavit. Le but contre son camp est signé Mendy. Van Damme qui trouve Patron dans la profondeur. Là, l'excellent arrêt d'Arnaud Baligeon sur cette sortie face à Patrao. Et ben voilà. Et ben voilà Laurent, c'est la mi-temps ici à Mezzavi sur ce score de 1-0. Piechocchi sur le côté droit à la lutte avec deux joueurs. C'est bien joué ça. Kylian Lebon la frappe et l'arrêt. L'arrêt de Franck Lostis. Piechocchi toujours ballon au pied. Ouh là 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 là, attention. Grosse faute et il va certainement. Et oui, voilà, deuxième c'est le carton rouge. Jaune pour Ila Le Bouguera, le capitaine de l'équipe du Puy. Et là, c'est sifflé par l'arbitre de la rencontre. C'est une frappe. On s'est bien frappé. Dévié comme il le pouvait par Franck Lostis. Attention là, Pierazzi, la tête de Lebon et l'arrêt. Le coach Roland Vira qui va devoir complètement modifier ses plans de jeu. Attention, la tête de David Paulet. Complètement seul, hein, David Paulet, dans la surface. Hein. Exactement. Andiani. Qui essaie de trouver Piechocchi à la lutte avec Eli. Piechocchi contre le ballon. Il attend l'arrivée de Campanini. C'est fait. Andiani, il va centrer pour David Paulet. Oh, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. La tête est croisée. La tête est croisée de David Paulet qui permet de porter le score à 2-0 pour les gaziers. Attention, Sissane, la frappe de Sissane. Voilà. C'est dans les bras d'Arnaud Baligeon. On va chercher Maxime Pélican. Et voilà. Et voilà, c'est terminé ici à Mezzavi. Victoire 2-0 du Gazélec Ajaccio.